Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, merveilleusement bien. Et c'est de cette vue que je vous offre là, au moment où nous rentrons dans l'hiver, que je vais vous parler d'une capsule qui pour moi est très importante, c'est sur la peur d'échouer. En fait, la peur principale, c'est pas forcément la peur d'échouer. C'est ce que notre subconscient nous dit, c'est ce que notre ego nous fait croire. Ben le subconscient d'abord, parce que le subconscient n'aime pas les choses inconnues, il n'aime pas les situations où effectivement il n'a pas de référence, et dès que vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas référencé dans la bibliothèque d'expérience, eh bien on va chercher, si vous voulez, plein d'excuses pour effectivement dire qu'on a peur d'échouer, parce que en fait ça nous ferait mal à notre ego de ne pas réussir. L'ego, le subconscient, l'ego, le mental, le subconscient, la partie immergée, ben en fait, vont se solidariser toutes les deux. D'abord parce que l'ego, eh bien, il n'aime pas perdre le contrôle, donc quelque chose d'inconnu, ben, il ne supporte pas d'être dans l'inconnu, il ne sait pas comment ça ne se passe pas, comment ça se passe plus exactement. Et puis, le subconscient, eh bien, il n'a pas la référence dans sa bibliothèque d'expérience. Autrement dit, quand il va chercher dans l'hippocampe, qui est effectivement ce qu'on appelle la mémoire déclarative, la boîte noire de l'ordinateur, ben il ne trouve pas d'émotions associées, que ce soit des émotions positives ou négatives. Autrement dit, c'est neutre. Et le subconscient, du coup, ne peut pas donner une indication à travers les émotions associées à ce type d'expérience qui sont dans le cerveau limbique. Alors, c'est ça une des particularités, c'est que tout ce qui n'est pas connu génère de l'angoisse, de l'anxiété, car le subconscient a besoin à la fois donc de sécurité, de répétition et d'automatisme, et troisième point, il a besoin de plaisir. Il faut que les choses soient agréables, il faut qu'elles soient répétitives, et il faut qu'elles soient en toute sécurité. Donc, affronter l'inconnu, en fait, ben, c'est couper avec des habitudes. Et je vous envoie sur une excellente vidéo que j'ai eu l'occasion de faire à Monaco avec Pierre Frolla, qui est le plongeur émérite, un peu comme le Grand Bleu, là, qui a gagné 4 fois le record du monde de plongée sous-marine, et qui m'expliquait dans sa vidéo qu'il est allé affronter sa peur des requins, donc sur l'île de la Réunion à l'âge de 20 ans, parce qu'il avait peur chaque fois qu'il plongeait de rencontrer des requins. Eh bien, à force de repousser cette peur, ben, vous créez véritablement une phobie. Et il est allé, alors moi je disais comment on fait pour affronter les requins, et il me dit mais on n'affronte pas les requins, on les affronte pas, on les côtoie. Et oui, c'est ça, la peur on la prend comme un ennemi, une ennemie, c'est pas une ennemie, la peur c'est un message que vous envoie le subconscient, comme quoi vous n'avez pas, eh bien, en fait, l'expérience, c'est la référence de ce qui va se passer. En fait, ce qu'explique Pierre Frolla, c'est qu'il est allé plonger sur l'île de la Réunion, là où il y a des requins, vous le savez, qui agressent souvent des plongeurs, sans aucune cage de protection. Et en fait, c'est le requin qui a eu peur de lui. Voilà. Et du coup, il est devenu amoureux des requins. Vous imaginez, aujourd'hui, il passe sa passion, la grande partie de son temps à faire des films, à protéger les requins qui sont malheureusement en voie de disparition si ça continue comme c'est aujourd'hui. Et de cette peur, il a transformé en une mission, en un objectif, en quelque chose de remarquable. En fait, c'est derrière votre peur que se situe le désir et le rêve le plus important. Seulement, c'est qu'on a tendance à croire que c'est la peur d'échouer. Mais souvent, ce qui est plus fort que la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. En fait, regardez bien ce qui se passe. La peur d'échouer, c'est une peur parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. De toute manière, que vous réussissiez ou pas, vous avez peur. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur donc de ce qui va se passer parce que vous perdez le contrôle, et ça, l'ego n'aime pas. Par contre, quand vous avez peur de réussir, mais qu'on n'accepte pas, parce que dire que vous avez peur de réussir, vous seriez la risée. J'ai peur de réussir. Pourquoi vous avez peur de réussir? C'est tout simplement que si vous réussissez,
ben votre environnement va changer. Et vous n'êtes pas prêt à lâcher votre environnement. L'environnement, ce n'est pas que les amis, c'est les lieux, c'est les endroits, c'est aussi les habitudes. Et vous êtes tellement forgé des répétitions à fréquenter les mêmes lieux, à faire les mêmes choses tout le temps, que de réussir, ben ça serait traumatisant pour le subconscient, qui n'aime pas ça, il n'aime pas le changement. Il n'aime pas ce qui n'est pas répétitif. Et surtout, l'ego, lui, eh ben, il n'a aucune référence. Voilà, donc, sachez les amis que vous passez peut-être à côté de l'homme ou de la femme de votre vie, vous passez peut-être à côté d'une situation incroyable dans le travail qui vous permettrait de devenir libre financièrement, vous passez peut-être à côté de l'occasion de créer votre propre affaire, votre propre société pour devenir autonome. Eh bien, ceci, c'est simplement si vous franchissez cette barrière de la peur. Peur d'échouer, peur de réussir, pour moi, c'est la même chose. C'est simplement qu'à un moment donné, vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort. Et c'est là que le mental envoie ses peurs pour toujours faire les mêmes choses. Donc les habitudes, ben, c'est ce qui crée les résultats. Changez d'habitude, vous changerez de résultat. Réfléchissez toujours, à chaque fois que vous avez une peur, quelle est la peur de votre peur ? Parce qu'un désir, que vous souhaitez, quand vous souhaitez quelque chose, ce n'est pas qu'un désir, c'est surtout un besoin. Derrière le désir, il se cache un besoin. Et quand vous désirez être en couple durablement, quand vous désirez créer une société, quand vous souhaitez et désirez avoir plus d'argent, quel est le besoin qui est derrière ? C'est uniquement quand vous identifiez le besoin que la peur va disparaître parce que vous comprenez ce qui est nécessaire. Je vous donne rendez-vous sur une formation en ligne spécifique sur les peurs qui se situe en bas sous la vidéo. Vous cliquez sous le lien et vous découvrirez en fait ben, ce qui vous permet ou pas de passer au-delà de vos peurs. Je peux vous dire que cette formation, elle est absolument sensationnelle. Comme d'habitude, je vous remercie, je vous exprime toute ma gratitude pour vos likes, vos commentaires, vos partages et je vous rappelle que vous accédez à une masterclass gratuite en haut à droite sur effectivement 4 vidéos pour vous permettre d'augmenter votre mindset, d'optimiser votre mindset, c'est-à-dire votre façon de gérer votre journée au quotidien avec un mental de champion. Et puis pour ceux qui le souhaitent, sur mon site www.academiemadelrio.com, vous avez d'autres masterclass sur le thermostat financier, sur la neurochimie, l'énergie et sur la loi d'attraction. À bientôt les amis.